je pense que ici la luminosité est bonne, hein. Elle est très bonne. Bon, je vois mes personnes connectées. Connectez-vous, parce que aujourd'hui là, hier j'avais fait une vidéo similaire, hein, vous avez vu. J'ai fait une vidéo hier où je suis venue pleurer. Aujourd'hui là, on va pas aller dans les les petits détails là. Où je suis venue pleurer pour Monsieur Kone Ibrahim, pour les intimes Monsieur Boka. J'étais venue pleurer pour ce monsieur là parce que il y avait eu abus. Il y a eu abus de pouvoir. Je me réveille là, il y a affaire sur la toile. Pas tel le dirait, pas pour aujourd'hui là, ça a été un framponnage. Ça, quand c'est framponnage, je vous dis ça, partagez. Mes personnes, je vous donne le temps de partager, invitez vos amis, mettez ça dans les groupes. Pas trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aujourd'hui là, c'est pas c'est un footballeur que aujourd'hui là, ça dit que ça fait un boom sur la toile. Les gens qu'on frappe en Afrique, où on se donne le pouvoir, où on se dit qu'on est le Dangamba, où on se dit qu'on mange avec le procureur, où on se dit qu'on mange avec la première dame là, c'est versé en Afrique là-bas. Mais comme je vous avais dit, j'avais fait une vidéo un jour où je vous avais dit que aujourd'hui là, accident de la, ça dit que l'alcool au volant avait fait un boom parce que ça a tué un couple de riches. J'avais fait une vidéo dessus. Mais comme aujourd'hui là, c'est un couple de footballeurs qui est venu se mettre à la place publique pour expliquer la souffrance des Africains. Comment quelqu'un, ça dit que quelqu'un se donne le pouvoir, on profite. Attends, j'ai dit que partagez le direct, partagez mes personnes. Les fans de l'impacteuse, ceux qui aiment l'impacteuse, partagez. Le 29 janvier, c'est l'anniversaire de votre président. Le président des fans, des super fans de l'impacteuse, ceux qui aiment l'impacteuse. Quand je mets cette vidéo sur ma page là, likez, commentez. Bah, vous dites que vous aimez l'impacteuse. C'est votre fan. Vous allez aller regarder sur la page de ce jeune homme-là. Quand on dit j'aime ma star, ça c'est mon petit, mon bon petit, depuis sa position en Russie. Je te fais l'honneur ici. Mais on attend le 29 janvier. Partagez derrière le direct. Partagez. Parce que ça dit trop, c'est trop. Attends, dans quelle société sommes-nous? Mais je vais dire ma part. J'ai ma part à dire. Quand je bois mon café, il y a un impacteur qui m'a dit, ah, est-ce que c'est un thé que tu prends? Non, je ne prends pas de thé, j'aime pas le thé. Je bois que du café et je prends un café par jour quand je me réveille. Donc, c'est le café que je suis en train de boire. Souvent, un peu d'alcool quand c'est les week-ends. Mais demain, je reprends le travail, donc je ne prends pas l'alcool. Partagez, hein? Je fais ça tout ça pour vous donner le temps de partager. Partagez. Comme maintenant il ne met pas la musique là, vous partagez déjà. Voilà votre impact, c'est très très fort. Ma Juju, comment vas-tu? Maman, je vais gâter le coin. Je vais gâter le coin parce que trop c'est trop. Je suis venu aujourd'hui. Hier j'ai pleuré dans vos oreilles ici. À la limite, je vous suppliais. Attendez bien, il faut qu'elle soit bien cadrée. Je n'aime pas quand il fait vidéo et puis mon bras est de l'autre côté là. Oui, l'impacteuse, d'après mes abonnés, l'impacteuse. Il y a d'autres qui disent l'impacteuse. C'est correct. Merci. Mes amis, je vous demande de partager le direct. Wendy, Kala. Niambi, j'ai laissé ma tablette. Kala, pardon, regarde sur le lit ou là-bas, dans la chambre, tu as envoyé ma tablette. Je vois le nombre de partages déjà. Partagez le direct. On dit qu'on connaît la première dame. Pour ça, on est venu. Ça dit, oh my God, mon Dieu. Mon Dieu, où sommes-nous? Où sommes-nous? Donc, les autres continents vont essayer de s'améliorer. Et puis, nous, on va tout y rester derrière. Hein? Les autres vont essayer de s'arranger. Ils vont faire un effort. L'Amérique latine, les autres continents. Oui, je prends l'Amérique latine parce que c'est des continents pauvres aussi comme l'Afrique. Ils vont faire un effort pour essayer d'aller. Vous comprenez? Hein? Angela Koufor, comment vas-tu ma personne? Hein? Comment vous allez, Zacharia, vous allez bien? Hein? Je dis que partagez le direct, c'est ce qu'elle dit. Partagez le direct, mes personnes. Merci beaucoup, Sylvain Mas, merci. C'est pas possible. Ça dit que
aujourd'hui c'est venu sur la toile, on prend compassion, tout et tout. Mais si c'était un Wotrotiki, un pousse-pousse man là-bas, est-ce que ça allait faire cet engouement-là? Hein? J'ai déjà fait une vidéo ici, dans le temps du Covid, comment des hommes en tenue, des policiers, des militaires, des gens en abusent. Vous usez de votre pouvoir pour faire ce qui n'est pas correct, ce qu'on ne vous a pas appris. Mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Hein? Attends, je vais regarder le nombre de partages. Hein? La vie va pleurer comme ça dans les oreilles, ça fait pitié. Ça fait pitié. Hein? Attends, je vais regarder. Il a dit que partagez, oh, mes personnes, soyez pas pressés, partagez. Voyez? Voilà. Vous savez que quand il dit c'est framponnage, donc pourquoi vous voulez pas partager? Partagez. Le nom qu'elle a là, monsieur, est pas. Partagez. Prenez le temps de partager. Partagez. Hey! Merci beaucoup. Ça, c'est ma Juju, ma petite Abidjan, qui m'a fait ces petites merveilles-là. Elle m'a dit, mon Moni, qu'est-ce que tu aimes en habit africain? J'ai dit, ça fait des ensembles panne, je ne suis pas habituée à ça. Mais je vais les hauts où je vais mettre, ça dit, mes petits trucs dessus. Tu sais qu'elle travaille à la maison, donc il n'y a pas pour dire que j'allais faire une fête. Elle m'a fait les petits trucs. Et puis, j'aime ça. Et puis, vous me impactez aussi. Vous me dites que je suis belle. Merci beaucoup. Je suis belle, la femme du roi. Ça ne chauffe pas. Mais moulet du haut, je suis Tigrio. Il y a quelqu'un qui m'aime, il m'a honoré devant ma famille. Il m'honore même devant mes impactés qui m'aiment très très fort. Mes impactés, vous m'aimez, je suis fière de vous. Mes amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous faire languir, mais profitez pour partager. Vous avez vu comme moi les voices de cette dame, mon Dieu, qui est venue. Ça dit que j'écoutais, vous savez, mes Congos, ça, quand le roi il vient le matin là, je mets des vidéos, il écoute, il dit. Ok, ce sont tes affaires, mais chérie, c'est dur, hein? Comment on peut traiter des gens? Mais ma chérie, toi qui es venue pleurer dans le direct là, tu es venue, tu as donné ta part. Maman, je vais te donner, ça dit que je vais prendre la compassion, hein? Je viens m'incliner, oui, parce que on a usé du pouvoir qu'on a en Afrique. Un certain monsieur capitaine, quoi, je n'ai pas cherché à retenir même son nom, mais lui-même actuellement là, c'est chaud sur lui à l'air là, hein? C'est chaud sur lui, parce que c'est qui le mouvement qu'il voit sur la toile là, il va comprendre. C'est comme ça que j'aurais voulu qu'on fasse aussi pour monsieur Kone Ibrahim, dit monsieur Boga, qu'on essaie de partager les vidéos, qu'on essaie de remuer la toile pour que des gens sachent que c'est pas parce que tu manges à telle personne, c'est pas parce que ça dit que tu as le pouvoir en Côte d'Ivoire, en Afrique, que tu vas venir, ça dit que exercer, ça dit la violence. Tu vas venir, attends, où sommes-nous? Mes amis, on a vu cette dame. Ma chérie, je viens te dire d'abord que quand vous louez les maisons avec des gens là, hein, ton discours là, j'ai écouté, hein, je suis une femme, j'aime les Congossas. Ton discours là, quand j'ai écouté, tu avais fait la camaraderie au début avec la femme du propriétaire. Mes amis, si je mens, dites-moi que l'impacteuse, tu es une menteuse. Vous avez écouté les femmes, vous reconnaissez les signes du Congossa. Elle avait fait le Congossa, elle avait fait la camaraderie avec la femme du propriétaire au départ. Parce qu'à un moment donné, c'est quand elle a pris les distances. Mettez-moi le cœur, vous savez que ce qu'elle dit, c'est la vérité. Elle a fait déjà la camaraderie. Elle est la femme du propriétaire, hein? Toi tu es femme de footballeur, elle est la femme de capitaine là-bas. Vous étiez dans la cour des grands, vous avez fait camaraderie au début. Peut-être après tu as vu qu'elle voulait trop rentrer dans ton périmètre. Après tu as vu que ça là, attends, elle prend mes distances. Donc quand elle a vu ça maintenant là, c'est là le problème du chien avait commencé. Si j'ai menti, j'ai dit partager le direct. Moi, l'impacteur, quand je vais faire mes discours là, je vous ai dit, hein, les affaires de pleurs sur les réseaux sociaux là, vous me voyez, je suis une femme très compatissante. J'aime compatir à la douleur des autres. Mais avant de compatir à ta douleur, je vais regarder le fond du problème. Je vais regarder derrière le problème d'abord. Ma chérie, derrière le problème, il y avait camaraderie au début. Au début, vous étiez des amis. Tu es venu louer leur maison, tu as fait camaraderie avec la femme au départ. J'ai dit que vous qui êtes d'accord avec mon premier raisonnement, partagez-moi ce direct-là.
Hein, j'ai vu mon petit. Il a fait son raisonnement. C'est correct. Moi, je suis d'accord avec toi, mon petit, depuis ta position. Mais cette femme-là avait fait camaraderie au départ. Tu viens louer maison chez quelqu'un, il y a ce qu'on appelle ça. Dit, je vous ai fait une vidéo hier où je vous ai dit que la proximité crée des problèmes. Vous allez voir que ces deux femmes-là, elles ont mangé ensemble un jour. Elles ont causé, elles ont critiqué, elles ont fait des congossards. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis partagez le direct. Elle va recevoir, il n'y a pas quelqu'un qui ne reçoit pas mon direct. Il n'y a pas quelqu'un qui ne reçoit pas mon direct. Donc, camaraderie maintenant est gâtée. Quand camaraderie est gâtée maintenant, tu as dit qu'à un moment donné, elle a vu que tu prenais des distances avec elle. Là, la jalousie va commencer. Parce qu'elle a vu que ton mari était un footballeur. Jalousie va commencer là. Donc, quand jalousie... J'ai dit que je suis une femme. Moi-même, je suis une critiqueuse. Même la différence, moi, l'impacteuse, si j'ai critiqué avec toi là, c'est pas moi qui vais aller dire. Moi, je ne dis pas. Je suis une grande critiqueuse. Je fais les Congo ça. Mais ce n'est pas dans ma bouche que ça a sorti. Je suis comme toutes les femmes. C'est quelle femme qui a dit qu'elle ne critique pas? Toutes les femmes ont critiqué. Mais toi qui te lèves pour aller dire là, quand tu m'as dit, moi, je garde pour moi dans mon cœur. Mais cette femme-là, elle n'a pas supporté le fait que tu as voulu prendre. Hein, je parle de la femme du capitaine. La femme du capitaine n'a pas supporté le fait que tu veuilles prendre des distances avec elle. C'est là les problèmes ont commencé. On vient avec le problème du chien. Le chien qui était là au début, quand on était en camaraderie. Le chien qui n'a jamais dérangé. Aujourd'hui, on vient se rendre compte que le chien dérange. Oh, le chien est parti à Ouméo. Oh, le chien est venu à Daloa. Oh, la chienne a fait ça. Oh, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. J'ai dit partager le direct mes questions. Mon petit, il a géré le problème. J'ai aimé comment mon petit a géré. Mais il dit lui là, il n'a pas vu dans le jeu. Le jeu, c'est qu'au début, il y a une camaraderie. Hein? Il y avait camaraderie, mon petit. C'est quand camaraderie est gâtée là. Que maintenant, après, ça m'a donné un bizarre. Parce que souvent, tu as des amis, quand tu les vois, hein, la kiza du capitaine. Bon, on est en train de me sortir que c'était la kiza du capitaine. Bon, je n'ai pas de preuve de ça. Dans le direct, quand j'ai entendu, on a parlé de la femme du capitaine. On n'a pas dit ça, kiza. Donc, je ne vais pas aller trop sur ce côté-là. Mais je suis là. Il m'a dit, hé. Vous faites trop ripataille, mon direct, mes personnes. Je vous avais dit que ça allait être un framponnage. Vous connaissez. D'après la mer, les Ivoiriens, vous êtes. Ça dit, vous êtes tous des acteurs, des actrices. Oui, on est des actrices. Donc, comme je vous disais, c'est là que tous les problèmes ont commencé. Oui, ça existe en amitié. On est bien. Et puis, à un moment, je vois que tu es en bizarre, moi. Je vois que c'est plus ça maintenant. Comme on était là. On n'est plus comme ça. Donc, les problèmes ont commencé. La jalousie va commencer. C'est comme ça que tout a commencé. Si vous avez bien écouté la dame, c'est avec la femme que ça a commencé. C'est avec la femme du capitaine que ça a commencé au début. Hein? Et quand elle a vu, elle faisait bizarre tout le temps. Donc, bref. Et puis, tout ça a dégénéré. Quand ça a dégénéré maintenant, c'est le petit chien, hein, le chiot, pour faire du pléonasme, le petit chiot. Hein, c'est le petit chien là qu'on a mis en avant. C'est après le petit chien qui est venu. Mais il y avait problème avant. Avant, vous étiez des amis. C'est ce que moi, l'impacteuse, je viens te dire depuis ma cuisine ici. On a eu une seule version, hein, mais je suis aujourd'hui venu parler de ça pour expliquer déjà la première partie. La première partie, c'est que il y avait camaraderie, et puis camaraderie est gâtée, et puis ça a donné ça. Sinon, dans la vraie vie, je ne te dois pas, parce qu'elle a expliqué, elle ne doit pas de loyer. Donc, si elle ne te doit pas, où tu as passé pour venir rentrer dans mon périmètre? Maman, tu ne rentres pas dans mon périmètre. J'ai vécu à Bigan, les propriétaires dans les maisons où j'étais, avant de venir vivre avec mon mari, je mets une distance entre tout ça, c'est-à-dire que la femme du propriétaire et moi. Je ne peux pas causer avec toi. Je dis, c'est bonjour, madame, respectueusement. Comment tu vas faire pour rentrer dans mon périmètre? Et puis tu as venu dire que non, elle est devenue bizarre avec moi. Maman, je ne serai jamais bizarre avec toi. Oh. Je te dis bonjour quand je passe. Mais je ne cause pas avec toi. Les gars qu'elle reçoit chez moi, ce n'est pas ton problème. C'est comme ça, nous, quand on a loué des maisons des gens, là, c'est comme ça on était. Et puis juste quand on a quitté là, le respect. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a dégénéré. La situation est devenue toxique jusqu'à ce que ça a donné ce que ça donne là.
avec le conflit du chien ou de la chienne ou du petit chiot, si vous voulez, pour me répéter. Vous comprenez? Donc, on a vu, c'est-à-dire, on nous a épargné les détails, Dieu merci, mais on a vu comment ça a dégénéré. Et le monsieur, maintenant, ça dit que le capitaine s'est donné le pouvoir de venir user de la force sur l'enfant d'autrui. Moi, je suis contre ça. Vous connaissez ma position. Quand j'ai fait mon papato dans l'affaire Zunon, et puis on m'a dit qu'on nous a dit sur la toile qu'on ne nous a pas envoyé. Et ça m'a fait mal. Quand Zunon a dit que je n'ai pas envoyé les gens d'insulter les gens. Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui avait insulté. Nous, on avait fait des raisonnements, mais on nous avait mis dans le même panier. C'est parce qu'on avait usé de la force. Vous savez que là où on use de la force, là, l'impacteuse est contre ça. Vous le savez. Donc, je viens donner ma part. Parce que la femme a été très claire. Oui, au-delà de cet aspect, où elles étaient amies, mais il y a quelqu'un qui s'est donné le pouvoir, qui s'est donné, ça dit, hey boy, oh boy. Vous savez, la violence existe partout. J'ai dit que partagez-moi ce direct-là. La violence existe partout. En Amérique, là, il peut y avoir des conflits de voisinage où des gens même usent de la force. Et puis, ils viennent même là, ils ôtent la vie à quelqu'un d'autre. On a déjà vu ça à la télé ici. Donc, je ne peux pas dire que non, ça c'est en Afrique seulement. Non, il y a toujours des querelles de voisinage, qui dégénèrent jusqu'à un certain point. Mais là où il y a problème, quand on est venu user de la force sur l'autre, quand on est venu user de la force sur l'enfant d'autrui, ce monsieur, on avait dit qu'on est venu parce qu'on connaît la première dame. On est venu user, on s'est donné le pouvoir d'agir comme on veut. On n'a pas regardé le droit, on n'a pas dit que, attends, moi je suis un homme, je suis un corps habillé, je suis un homme de la loi. Ça, c'est les petits conflits entre les femmes. Et parce que les femmes, là, les hommes, on a le pouvoir d'exagérer les faits. Je vous dis, je suis une femme, je vous dis ça, Wora. Souvent, là, je dis, j'avais mon oncle qui est décédé, père son âme, Ibododo Ernest. Ibododo Ernest, lui, il avait deux femmes, ou bien plusieurs femmes, je ne sais plus. Quand il arrive en même temps là, il dit, c'est lui qui a expliqué. C'est pour ça que quand il vous parle, là, prenez mes trucs. Attendez, je vous fais des cinémas. Quand Ernest revient du travail, ou bien il revient du village le vendredi, il dit qu'il a une femme là, quand elle gratte sa tête là, Ernest, un grand en débat, ça lui dit, Ernest, je vais te parler. Il dit que quand ma femme fait cela, je sais bien qu'elle a eu un problème avec mon enfant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, attends, j'ai fini de me laver, je mange et puis tu vas m'expliquer. Parce que les femmes, on a le semblant d'expliquer les choses aux hommes. Hein? Où je suis là? Si j'ai une rivière aussi là, si mon mari vient là, je dis, papa, comment tu vas? Je vais mettre de l'eau dans ta chambre, tu vas te laver, tu as fait ça, t'attends. Donc, toi, l'homme, tu n'as pas pris, ça dit que tu n'as pas eu ce discernement là. Pour dire, mais tiens, ça c'est un conflit qui a commencé entre les femmes. Non, tu n'as pas eu ce discernement là. Tu as dit que tu connais la première dame. Vous connaissez la première dame. Toi, ta femme et toi. Ça dit que tu as suivi ta femme dans ce bateau-là. C'est pour ça que je viens sur toi. Tu n'as pas dit attention. Moi, je suis un homme de loi. Moi, je suis quelqu'un. Ça dit que la loi se reconnaît en moi. Donc, ça dit, il y a les conflits qu'on va avoir entre ça dit que le voisinage. Mais tu es venu user de la force sur l'enfant d'autrui. Tu es venu user de la force sur une famille devant ses enfants. Merci pour ceux qui m'ont envoyé les 50 étoiles. Oui, tu es venu user. Ça dit que tu t'es laissé manipuler par une femme qui est venue dire, nous on mangeait la première dame. Mais je viens là. C'est là que je m'en viens. Madame la première dame de Côte d'Ivoire, j'ai dû partager le direct. Et il n'a pas fait comme mon oncle Ibo Dodo Ernest. Mon oncle, quand il vient, il dit, quand sa femme gratte, un man a débarré, gratte sa tête là. Il comprend déjà que c'est conflit avec ses enfants. Merci pour les personnes qui m'ont envoyé les 100 étoiles. Il comprend déjà que c'est le conflit avec ses enfants. Il dit, va t'asseoir, je me lave, je mange. Et puis, maintenant, quand elle a vu que déjà il a viré là, là elle va changer. Et mon oncle, tenez-vous bien. Il dit, tu as dit pour toi. Mais je vais écouter mes enfants d'abord. Je vais écouter d'abord ce que l'enfant dit. Vous comprenez ce talk là? Mais non, ça n'a pas été le cas. Toi, le monsieur le capitaine, toi qui es un homme de loi, tu es venu te mettre dans ce bateau-là. Et c'est toi qui portes main
à quelqu'un, tu t'en vas vous bastonner le monsieur parce que vous mangez avec la présidente, ça dit que la première dame de Côte d'Ivoire. Je dis qu'il y a la violence partout. C'est en Afrique qu'on se permet d'exercer la violence sur l'autre parce qu'on mange avec la première dame. Mais vous savez, vous connaissez ma mentalité. Moi, je suis contre ça. Monsieur le capitaine, moi, je viens ici pour te parler. Je dis que partagez le direct. Partagez le direct, ça. Partagez. Hein? Partagez-moi ce direct-là. D'accord. Ne partagez pas. Attends. On vous fait des choses là-bas. Nous, on gaspille notre salive sur les réseaux sociaux. Vos frères subissent des choses là-bas. Nous, on parle. On sort notre gosier là pour parler. Mais pour partager, on vous supplie. Si j'étais en train d'insulter là, vous allez partager. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Vous avez fait quand tellement vous avez partagé une vidéo de Joyeux Noël là. Il y a un Québécois qui m'a appelé. Monique, j'ai vu ta vidéo. Joyeux Noël, mon Dieu, tu étais belle. Tata. Mais c'est quoi le vagin sans crampon? J'ai dit, wow, c'est à blanc. J'ai venu expliquer vagin sans crampon là. Oui, Monique, j'ai vu que tu as répété l'expression. Tout. Un Québécois sur YouTube. Parce que ce sont ces vidéos là que vous partagez. Le Québécois m'a découvert dans la vidéo Joyeux Noël, vagin sans crampon. Parce que c'est ça que vous avez partagé. Alors que ce que je suis en train de dire ici, là, c'est plus important. Attends, je vais voir combien ils ont partagé. Je te dis, hein, la honte de ça. Je dis, non, c'est une petite expression entre nous, tout et tout, mais c'est les flaflas des réseaux sociaux. Il dit, oui, j'aimais bien l'expression. Hein. Toi, c'est vagin sans crampon, tu aimes. D'accord. Attends, le direct de personne. Québécois est venu, il dit Monique, c'est quoi vagin sans crampon? Il dit, ah, vagin sans crampon, là, je ne sais pas comment elle t'explique. Hein. Vous comprenez? Mais, on mange la première dame, ma chérie, parce que dans, ma grand-soeur, il m'a dit ça, un Québécois m'a dit ça au Québec ici. Il dit que je veux savoir vagin sans crampon, parce que Monique, j'écoute la vidéo, t'es donc même belle, mais je ne comprends pas. J'ai dit, ah, faut laisser ça. Après, je vais t'expliquer. Donc, on s'est donné le pouvoir parce qu'on mange la première dame. Parce qu'on est, chose. Parce qu'on... Attends. Pourquoi vous abusez tant comme ça? C'est le même abus là que monsieur connaît, comment il s'appelle, Ibrahim Diboga. C'est le même abus qu'il a subi. Il a subi ce même abus là. Où on s'est donné le pouvoir parce qu'on mange avec les autorités du pays. Madame Dominique Ouattara, sous votre respect, hein, maman, je vous donne tout votre respect, oh, tout votre respect. Comme j'ai dit qu'elle ne me met pas à genoux devant quelqu'un, je vous donne votre respect. Votre nom est sorti là-bas parce qu'on mange avec vous. On dîne avec Dominique Ouattara. Je dis que les Africains, vous avez, ça dit que votre mentalité est à revoir. Tu manges avec la première dame, donc ça te donne le droit de venir traîner son nom dans un conflit où vous vous donnez le pouvoir de bastonner un père de famille devant ses enfants. Ma chérie, toi la femme du footballeur, tu as dit mon mari a rendu service à la nation. Même si c'est un Wotrotiki qu'on a frappé comme ça, nous on va venir parler. On a frappé les gens dans le coup fait ici. Moi j'ai parlé, j'ai dit que non, ça ne vous donne pas le droit de venir frapper des êtres humains comme ça. Je vous ai dit ça. Donc ma chérie, afin de mon mari a rendu service, il a joué les couleurs du pays, les maillots du pays. Il faut laisser ça ma chérie. Toi, c'est le Congo ça que tu as commencé. C'est le papato au début. La camaraderie qui a tourné mal. Maintenant, tu as expliqué à ton mari et puis après le chien est rentré dedans. Après le chien est rentré dedans, hein? Vous comprenez? Chien! C'est parlable de chien. Mais elle a été claire, madame la femme du footballeur. J'aimais ton raisonnement. Oui, hein, moi je suis comme ça. Je vais dire ton bon côté, hein, où tu as rangé là. J'ai dit ça, mais où aussi tu as failli. Au début, tu as fait camaraderie. J'insiste. Mon petit, lui, il ne connaît pas les trucs des femmes. Mais tu as fait camaraderie. C'est camaraderie qui a mal tourné. Et puis toi, tu donnais tes versions à ton mari. L'autre aussi a donné les versions à son mari. Et puis, boum, ça fait boum, 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 boum. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a trop de désordre en Côte d'Ivoire. Aïe! Il y a trop de désordre là-bas. Parce que quand tu as mangé avec la première dame, donc tu viens frapper quelqu'un et puis tu dis non, moi mon mari est indice. Mais attends.
sommes-nous? On est où? On est où? Où on se permet de, c'est-à-dire d'exercer la force sur les plus faibles? Hein? Vraiment, ça fait pitié. Hein? J'écoutais ta vidéo, hein, j'ai dit, Monique, tu as assez pleuré sur les réseaux sociaux. Les problèmes des réseaux sociaux, là. Tu as assez pleuré dans la maison ici. Je dis que je ne pleure plus. Si c'est trop dur, là, je sais mon cœur, j'écoute. Et puis après, j'analyse. Hein? Si elle voulait regarder tes pleurs, là, j'avais venu te dire, madame, l'autre était mauvaise. Vous avez commencé camaraderie au début. Hein? Parce que j'ai séché mes larmes. Hein? Hein? Quand j'ai vu mon petit en train de faire mettre le truc, j'ai dit, oh, l'émotion en train de prendre mon petit là-bas. Moi, l'émotion ne me prend plus. Je suis une vieille rombière. Je suis une vieille fatiguée des réseaux sociaux. Émotion là, je laisse ça à gauche et puis je parle à droite ici. C'est camaraderie des femmes qui est gâtée. Mais les hommes, ce monsieur le capitaine, lui n'a pas compris que de part et d'autre, on manipulait chacune manipulait son mari. Et ça a donné ça. On a frappé ton mari. Moi, je viens dire Yako ici. J'ai dit le gros Yako. On ne peut pas frapper un père de famille, on le frappe. Et il se permet de donner une paire de gifles. Bang! Devant la femme du monsieur. J'ai dit que moi, tu avais donné une paire de gifles à mon mari. J'ai dit que mon coach, j'ai mis ça devant toi ce jour-là. Fallait te mettre dans une position où lui-même, il allait avoir peur. Qui est garçon qui vient gifler un homme devant sa femme? Hein? Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on peut avoir ce désordre là-bas, l'Afrique, le continent du désordre, le continent de la merde où des gens se permettent de faire n'importe quoi. Mais le, comment on appelle ce monsieur? Avec tout mon respect, monsieur Ange Kessi, je me suis renseigné. On dit c'est vous qui êtes le procureur militaire, mais on vous appelle ici. Il y a quelqu'un qui travaille sous votre bannière. Vous avez un subalterne là-bas qui est venu frapper quelqu'un. La personne, même si la personne te doit une maison, le plus grand prisonnier du monde là, on écoute d'abord, on ne vient pas frapper quelqu'un, on baillonne un père de famille, on met ses enfants dans une certaine, ça dit que dans une certaine position. Mais attends, où sommes-nous? On est où? Pourquoi les gens prennent toujours la couverture? Parce que quand vous faites photo, hein, madame Dominique Ouattara, ou bien vous êtes allé dîner là-bas, là, vous profitez maintenant, vous vous dites que vous êtes des dangaba, vous êtes des puissantes, ou bien des puissants, et vous venez écraser les autres. J'ai dit qu'il y a la violence partout. Hein. J'ai dit qu'en Occident, ici, là, il y a une émission ici qui passe à la télé où on tue des voisins pour problème de maison, tout et tout, ça existe. Mais on n'a jamais fait du mal. Parce qu'on connaît tant. Moi, c'est la partie du film où on dit non, je connais tant. Donc, pour ça, on va venir écraser les plus faibles. Donc, ceux qui connaissent personne en Afrique là-bas, là. Hein? Ceux qui connaissent personne là, donc, pourquoi va se passer comment? Je t'ai raté. Drama n'a pas quoi dedans. Elle, tu n'as pas écouté le voice? Tu n'as pas écouté? Dans le voice là, la femme du footballeur a dit que quand la femme est venue, elle dit qu'il mangeait la femme du président. Tu me dis vraiment dans quoi avoir dedans? Hein? C'est pas possible. Pourquoi on se permet ce genre de comportement là? C'est toujours chez nous, il y a ce genre de problème. On se permet de faire n'importe quoi. On dit on exerce la force sur les plus faibles. Mais ça là, ça va prendre fin quand? C'est quand ça va prendre fin? Ce monsieur le capitaine, il faut qu'il soit inquiété. Monsieur Ange Kessi, un procureur de la République, moi je vous appelle ici. Les vidéos circulent. Quand vous êtes dans vos maisons, hein, les boss des boss là, hein, c'est quand vous ne savez pas là. Les boss des boss là, quand ils sont dans la maison, la nuit là, il est boss, il n'est pas boss. La nuit là, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc mon visage dur là, souvent il tombe dessus. Il dit, mais c'est qui cette femme là? Il y a un qui m'a dit, un boss de l'armée, il dit, c'est ta vidéo, comment on l'appelle? Tu as fait une vidéo, moi j'ai été impressionné par ton teint. Il m'a dit, j'ai dit, ah oui? Il dit, oui, j'ai vu ta coupe jaune, vous savez, la vieille perruque. Elle est vieille maintenant, cette perruque, elle est fatiguée. Hé, maman, comment les impacteurs ont aimé cette vieille perruque jaune-là? Il m'a dit, c'est ta coupe jaune-là, et puis j'ai vu que tu avais un teint propre. C'est ça, j'ai dit, ah oui? Donc, vous écoutez, il dit, ben oui, le soir, quand on est dans nos chambres, on écoute. Donc, ça veut dire que ma vidéo que j'ai fait là, si vous partagez là, un matin là, ça peut tomber dans leurs mains là-bas. Ils vont comprendre qu'il y a quelqu'un qui a abusé et vous envoyez un cargo, c'est-à-dire des militaires. Et puis, on s'acharne sur un être humain. Pourquoi on s'acharne sur un être humain comme ça?
La loi, là, elle est là pour tout le monde. Hein? La loi est là pour tout le monde. Non, on ne regarde pas le côté de la loi. On vient, il m'a dit qu'il regarde, le monsieur, il n'a jamais dit son nom. Il m'a dit que c'est dans le lit avec sa femme. Il a été impressionné par ma coupe, avec j'avais porté un haut gris là. Il a vu mon teint, il a dit, ah mon Dieu, la femme est belle. Et là, il a regardé ma photo comme ça à côté. Et puis après, quand il est arrivé au bureau, c'est là qu'il a écouté ma vidéo. Il a dit, wow, ça là, ça doit être une femme bête, elle parle d'elle. Hein, donc, quand vous nous regardez sur les réseaux sociaux, ne nous minimisez pas. Ne nous minimisez pas. Parce que vos hommes nous regardent en cachette là-bas. C'est ce que je suis là pour vous dire. C'est pas possible. On vient, on se permet, vous vous permettez. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi on a fait ça? Hein? Il faut que ce monsieur-là soit inquiété. Hein? Moi, je parle du monsieur plus. Lui qui est un homme de loi, qui n'a pas compris que ce que je suis en train de dire, ça dit ce qui se passe là, il y a des conflits, il faut mettre le chien en haut, il faut mettre le chien en bas, tout et tout. Mais la dame a été claire. C'était déjà prescrit dans le contrat. Si vous savez que vous n'êtes pas capable d'accepter des chiens dans vos maisons, refusez ça. Mais tu as accepté, ça a été clairement décrit dans le contrat. Et aujourd'hui, on vient faire des problèmes pour chiens et chats. J'ai dit que c'est les deux femmes qui ont cogné les têtes de leur mari. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Les deux femmes ont cogné les têtes de leur mari. Chacune quand elle va dormir avec son mari là. Chérie, voici ce que tu as fait, ce qui s'est passé. Quand tu n'étais pas là, elle a dit parce qu'elles étaient des anciennes amies. C'est une vieille rombière qui vous parle. Je sais de quoi je parle. Des femmes qui m'écoutent, vous savez que ce que je dis, c'est la vérité. Mais l'homme de loi n'a pas réfléchi. Toi qui es un homme de loi, tu n'as pas réfléchi. Tu devais prendre une certaine distanciation face à ça. Pour dire, mais tiens, tu te permets de venir. Et on s'en va, on vient. Je ne sais pas s'ils ont fait quoi à la porte. On n'arrivait plus à accéder à la main. Mais je dis que vous vous permettez en Afrique. Mais là-bas, là, vous vous permettez là-bas. C'est pas possible. Il y a des gens, même quand ils parlent, tu regardes, que tu dis, mais attends. Dominique Ouattara, là, elle va vieillir au pouvoir. Elle va faire, ça dit que elle va s'éterniser au pouvoir. Hein? Toi, monsieur Serge Angoran, qui a détruit les biens de monsieur Kone Ibrahim, dit monsieur Boga, est-ce que le directeur de cabinet que tu connais, oui, parce qu'on dit que tu connais le directeur de cabinet du ministre de la Construction et de l'Infrastructure, est-ce que ces hommes-là, ils vont mourir au pouvoir? Ils vont pas, c'est-à-dire, c'est leur époque, ça a passé. Donc, pour ça, on se permet de venir détruire les biens d'autrui. On se permet de venir frapper, de venir baïonner un père de famille devant femme et enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il... Ça dit, on gifle ton mari devant toi. Il y a honte plus que ça. Hmm? Il y a honte plus que ça. J'ai une amie ici. Elle expliquait les problèmes qu'elle a avec son mari. Elle expliquait. Tellement elle expliquait les problèmes avec elle et son mari, sa copine, une fille sans éducation, oui. Entre nous les femmes, là, je peux te dire, mon mari a fait ça. Mon mari est comme ça, mais devant mon mari, tu dois faire semblant. Hein? Tu dois faire semblant. Ce qu'elle t'a dit de mon mari, là, que mon mari est comme ça, là. Devant mon mari, tu as prouvé que je t'ai dit ça. Et devant, là, le mari est là, elle prouve au mari que, ça dit que le défaut que sa camarade a dit sur son mari, elle vient dire ça devant. Elle me dit, non, maman, mais moi, c'est pas ce qu'elle dit. J'ai dit, mais toi, oh, causerie des femmes, on s'est dit entre nous deux là. Pourquoi mon mari vient chez toi et tu prouves à mon mari que ce qu'elle t'a dit, c'est ça. Donc, tu as manqué de respect à mon mari. Je coupe le contact avec toi. C'est ça qui est là. Les hommes, faites attention. Faites attention. Il y a causerie que nous, on cause entre nous les femmes. Mon mari est comme ça, oh, il est comme ça, oh, il est comme ça, oh. Mais on t'a dit ça, donc pour ça, toi tu vas te prendre comme le Superman, hein, le Spider-Man, et tu viens, tu uses de la force, alors que toi tu es un homme de loi. Cet homme-là doit être inquiété. Je n'ai pas dit qu'elle a quelque chose à voir, j'ai dit que c'est son nom qu'on utilise. C'est ce qu'elle a dit. Hein? Rocky Adoubia, on utilise son nom. Pour venir faire du mal ici, c'est ce qui a été, c'est sorti dans les voix,
comportement. Même si elle te dit que mon mari est comment, oh, devant, si tu vois mon mari, il doit être le bon personnage pour toi. Hein? Moi, je peux venir parler de mon mari mauvais à toi, ma camarade. C'est toi qui es ma camarade. C'est leur causerie de femme. Mais tu vois pas mon mari, et puis tu vas prouver à mon mari qu'il est le mauvais, il est le quoi. C'est ça qui est la vérité, ce que je suis en train de vous dire. Donc vous les hommes là, les deux hommes, on a pris le footballeur, on a frappé le footballeur. Vous avez écouté les deux femmes. Mais c'est à toi l'homme de loi, je m'en prends. Parce que vous êtes allé plus fort. On a, là, on essayait de filmer. Vous comprenez? Attends. Mettez-moi des commentaires devant les trucs. Mmh. Il y a d'autres là, ça va être leur dernier jour, elle impacteuse ici. Mmh. Mmh. Mettez-moi des commentaires. La femme du footballeur est belle, mais la femme du footballeur est de la mine et marlée. La femme du footballeur, affaire de mariage, c'est pas affaire de belle ou bien. Laissez affaire de belle là. Il dit, laissez affaire de belle. Vous avez vu, paix à son âme, une de nos, je vais pas dire son nom pour respecter sa mémoire, une de nos grandes danseuses qui vivait aux États-Unis. Vous avez vu, elle n'était pas belle, mais quand elle est décédée, son mari a dit, il a tout perdu. On vous a dit c'est affaire de belle, que la femme du footballeur était belle. J'ai dit que c'est deux Congos, entre les femmes, qui a conduit à ça. Mais j'en veux au corps à bien, monsieur le capitaine. Ça dit que je ne suis pas d'accord de son comportement. Il aurait dû comprendre que ça là, ça dit qu'il y a des limites qui me sont tracées. Parce que je suis un homme de loi. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit que qui est belle, qui n'est pas belle? C'est pas ce que j'ai dit. Affaire, on parle là, c'est affaire de beauté. Vous résumez tout à la beauté. Hein? Pour résumer tout à la beauté, je dis que moi, les pacteuses assises comme ça, à mes mollets du haut, mais quoi du haut? Je suis la plus belle de mon mari. Je suis la plus belle, ça dit que je suis la princesse de ma famille. C'est ce que j'ai dit. Hein? On me parle de beauté. On parle de beauté. C'est un irresponsable, c'est tout. Hein? C'est un irresponsable. Il faut qu'on arrête ça. Vous voulez qu'il vienne pour dire que non, tata, oui, c'est vrai. Il a usé de la force là. Ça ne devrait pas se faire. Il faut que la loi agisse. C'est pour ça que ici j'ai appelé le procureur militaire. Parce que ce monsieur, on dit, c'est un militaire. Il est même allé chercher des gens qui sont venus pour frapper le monsieur jusqu'à le mettre dans un sale état. Nous, on ne peut pas accepter ça. Vous connaissez ma position dessus. Mais ce qu'elle dit, il y avait camaraderie avant. Si c'est ça là, vous ne voulez pas entendre là, je vais insister dessus. Il y avait camaraderie. Ma chérie, toi la femme du footballeur, tu étais en camaraderie avec la femme qui était en bas là. C'est comme il t'a expliqué. On va fouiller en bas, vous avez mangé ensemble, vous avez parlé au téléphone. C'est la vérité qui est là. Chacune a dit des trucs à son mari qu'elle ne voulait plus de l'amitié. C'est ce qu'elle dit. Il n'y a pas de loi là-bas, il n'y a rien là-bas. C'est parce qu'il n'y a pas de loi que des gens se permettent de faire n'importe quoi. Hein? On connaît la première dame d'homme parce qu'on mangeait la première. Nous, mon mari, c'est un 10. Mais attends. J'hallucine. Je suis en train d'halluciner. Mon mari, c'est un 10. C'est quoi 10? Hein? Hein? Mon mari, c'est un 10. En tout cas, c'est aujourd'hui, j'ai entendu ça. Généralement, j'ai entendu ça. Quand on dit chez nous, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur la terre. Mm-hmm. Moi, je suis une vieille femme. J'ai dit que j'ai l'expérience. Moi, je ne vais pas venir régler le problème comme ça, alors que je connais, nous, les femmes, notre comportement qui est derrière. Mm-hmm. Faites comme mon oncle Ibo Dodo Ernest. Mm-hmm. J'ai dit son nom, mon feu oncle. Il dit, Mouni Biabi Wakao. Ça dit, les femmes, elles ont un côté sous-noir. Donc, si elle t'a dit problème de ton enfant, laisse-la, elle va réfléchir là-bas. Tu lui dis, j'ai compris. Parce que tu restes sur place là, tu as dit, tu as raison, la femme. Parce que quand tu viens là, tu viens du travail, c'est elle qui t'accueille premier. C'est elle qui fait d'une manière. On connaît ça. Hein? C'est la vérité qui est là. Merci pour ceux qui m'ont donné les 150 étoiles. Il y a une qui est baissée là-bas, du gars. Non! Il dit, Mouli Biabé Wakao. Les femmes sont très malicieuses. Elles sont sournoises. De vous à moi, même quand on est couché dans nos maisons, tout ce qu'on dit à nos maris. Hmm? Tous, vous me regardez, vous savez que je ne mens pas.
Ce qu'on dit à nos maris quand on est dans la maison, c'est Dieu seul qui sait. Donc, un béni me dit quoi? Mais monsieur le capitaine, jusqu'à la femme s'est retrouvée à l'hôpital, tout et tout, Yako à vous. Yako. C'est en Afrique que ce genre de comportement peuvent arriver. Où on pose l'acte et puis on dit que je connais tant. Moi, c'est affaire de je connais tant là que je n'accepte pas. Sinon, ici, même là, les gens ont déjà pris fusil même pour aller contre le voisin aux États-Unis. On a déjà vu ça dans les émissions ici. Donc, il ne faut pas en faire comme si ces choses, oui, j'ai aimé. On a demandé, est-ce que vous devez, elle ne doit pas de loyer. Elle ne doit pas de loyer. Vous venez, vous me bastonnez. Vous bastonnez mon mari. Vous, jusqu'à la femme est perturbée, elle pleure jusqu'à comme ça. Il faut que ce monsieur soit inquiété. Il faut qu'il soit très inquiété. Merci très cher. Je te vois là. Pour le cœur. Dites-moi ça à combien de temps? Puis je vais avoir le nombre de partages. Dites-moi combien de temps? C'est pas possible. On se permet de faire n'importe quoi. Je connais madame Dominique. Je ne peux pas dire son nom. Je connais la première dame. Donc on se permet. Mais tu connais la première dame, c'est correct. Est-ce que les gens qui sont ici là, ils ne connaissent pas comment ça, les premiers ministres, t'entends? Hein? Au contraire, même quand tu connais une première dame, tu connais une autorité, tu dois être correct dans ton comportement. Les Africains, quand vous connaissez des personnes qui sont au sommet de l'État, vous devez être un exemple. J'ai dit que c'est comme notre cerveau là et à l'envers. J'ai dit partager le direct. Parce que ici en Occident, quand tu as un problème, et puis l'autorité te connaît, mais tout de suite, l'autorité va se départir de toi. Donc c'est pour ça que en Occident, ceux qui connaissent les autorités font attention. Je connais une autorité, je connais une star planétaire. Tout le monde sait que je connais cette star, mais je fais attention, je masque, je marche les fesses serrées. Pour ne pas que je... Ça dit que mon comportement éclabousse la star ou bien mon comportement éclabousse l'autorité que je connais. Mais en Afrique, là, je ne sais pas si le cerveau là est en envers. Toi, tu connais une autorité, c'est le nom de l'autorité, tu viens mettre dans un conflit. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Paulette Cassi, c'est correct. Moi, je suis l'impacteuse de la controverse. Mais ça dit, ce qu'on m'a dit, un de mes blogueurs que j'aime regarder dans les affaires de choses, la politique, il a dit, quand tu dis la vérité là, on voit la vérité puis on dit c'est la mère dit quoi? Ce qu'elle dit, c'est faux. Tu connais une autorité au pays, en Côte d'Ivoire, tu dois faire attention. Ça dit pour ne même pas, ça dit que créer une friction même. Pour ne même pas que le nom de cette personne là soit éclaboussé. Mais en Afrique, on s'enorgueille. On se vante du fait qu'on connaît une autorité. Donc il y a problème. Non. Aujourd'hui même, nous-mêmes, on n'est pas des stars. Ça dit qu'on n'est pas ça dit des stars mondiales là. Mais tu as peur. Tu veux même plus. Ça dit tout ce que tu faisais avant, tu fais attention. Parce que demain, on te connaît, tu es devenu un personnage public. Demain, là où je suis là, mon affaire bien sûr à toi là. Ah, il est à moi me manger, ils vont me déchiqueter en miettes. Donc je fais attention. Hein? Vous comprenez? Donc on connaît une autorité là. Donc ça, on prend ça pour nuire aux autres. Non, bien au contraire. Chez les blancs ici, tu me connais comme une autorité, mais tu dois faire attention. Parce que demain, s'il y a un scandale là, ben désolé là, tu m'impliques pas dedans là. Donc, c'est clair ce qu'elle dit. Ou bien c'est le fait que j'ai dit que la femme du footballeur a fait camaraderie avec la femme du propriétaire. C'est ça qui vous énerve. C'est la partie qui vous énerve là. C'est la vérité ce qu'elle dit. Elle-même là, ma vidéo va tomber dans sa main. Ce qu'elle dit n'est pas menti. C'est clair. Voilà. C'est clair. Si c'est la partie que vous n'aimez pas là, hein, vous
pensez que j'allais venir prendre un côté. Ah non, 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 non. Il y a eu camaraderie. Camaraderie a mal tourné. C'est quand camaraderie est gâtée qu'on a commencé à se rappeler que le chien fait ça. Oh, le chien est comme ça. Oh, le chien est comme ça. Oh, vous comprenez? C'est ça qui vous fait mal. Mais ça n'a qu'à vous faire mal parce que c'est la vérité. Évitez, ça dit, évitez ça entre vos propriétaires et vous. Paye sa maison. Anna Ok. Mais je ne sais pas si c'est ça qui fait mal, qui dérange. Sinon, ce que je suis en train de dire, c'est aussi clair. Je condamne vigoureusement l'acte qui s'est produit. Vous comprenez? Je condamne ça. Sérieusement, là. Comment voulez-vous qu'on accepte ça? Comment voulez-vous que... ok, moi, tu es ma personne. Ok, on peut pas accepter ça. Donnez-moi le temps, s'il vous plaît, mes personnes. Mais donnez-moi le temps. Ah, mais ça devrait pas être comme ça. Clémence Bois, ça devrait pas être comme ça. Ça doit pas être comme ça. Je prends mon mari pour faire. Mon mari pour dire que je, mon mari est en. Aïe. Merci beaucoup, 47 minutes, c'est bon. Je ne veux pas aller au-delà d'une heure. Mon mari est en et puis quoi? Hein? Au contraire, si ton mari est en là, tu dois protéger. Hein? C'est ça. Oui, très cher, c'est ça. Mon mari est en, donc je vais prendre ça pour venir menacer, pour donner la paix d'Égypte à un homme. Hé, 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 là, là. Hé, là, là. Donner une paix d'Égypte à mon mari devant moi. Amunia. C'est que, ça dit que l'autre facette de moi, de d'où je viens là, j'allais te montrer ça. Mais elle a dit, il y a des gens encore qui sont bien. Le mien, monsieur qui est venu, qui a pris compassion d'eux, qui a dit non, va ouvrir la maison. Hein? Les gens se donnent le pouvoir. Hein? La maison que je loue, un jour, en ce moment, on habitait dans l'ancienne maison qui ne m'appartient pas. Le propriétaire veut faire les travaux sans m'aviser. Il connaît ma routine. Il sait que je travaille du lundi au vendredi. Et puis, il s'est dit que je n'étais pas à la maison. Je suis là, j'entends croquant. Ça dit dans la série, j'entends croc, croc, croc. Je suis dans la chambre. En temps, vous connaissez mes problèmes de santé et vous avez expliqué. Je dis, mais qui est là? Dia, c'est le propriétaire qui venait faire les travaux dans sa maison. Hey! Je dis, j'ai montré. Je suis sorti avec la peur, mais j'avais le téléphone derrière en main pour appeler le 911. Je dis, non, madame, désolé, je croyais que vous étiez partie au travail. Je ne savais pas que vous étiez là. Je dis, ben, dans ce temps-là, il faut que vous m'envoyez un message ou bien envoyez un message à mon conjoint. Même si c'est ta maison, je paye, j'ai un contrat avec toi, il faut respecter le contrat. Monsieur le capitaine, monsieur le capitaine, la femme dit, oui, pas moi dans ce conflit-là, c'est les femmes qui ont cogné les têtes des hommes. Mais l'homme a entré, il n'a pas réfléchi. C'est ce que lui reprend. Donc, il faut qu'il réponde de ses actes. J'ai dit au monsieur, mais vous devez m'aviser, même si c'est votre maison-là, vous ne devez pas venir comme ça mettre votre seconde clé. Madame, je m'excuse. Jusqu'à il est arrivé à la maison, il m'envoie encore un message. J'ai dit non, c'est correct. C'était une erreur, c'est correct. La prochaine fois, assurez-vous que je ne suis pas là pour que vous veniez faire les travaux. Voici où des comportements sont respectés. Mais en Afrique, on ne respecte rien. On se permet de faire n'importe quoi. Vous comprenez? C'est ce qu'on entend de critiquer. Les abus de pouvoir. On abuse sur les autres. Quand est-ce que ça va cesser? Dieu merci, les réseaux sociaux sont là. Vous comprenez? Dieu merci, les réseaux sociaux sont là. Quand j'ai reçoit des messages, mais souvent même ça me fait pitié. J'écoutais cette dame-là, ça faisait pitié. J'ai dit, même si son message me fait pitié là, je vais pleurer ici, mais j'ai essuyé mes yeux.
Comme on dit chez nous, il y a Guy en sort. Je suis mes yeux et puis je vais venir parler. Madame, j'ai eu de la compassion pour vous. Surtout qu'il y a des enfants qui ont assisté à ce qu'on a fait à votre mari. Moi, je suis contre ça. Il y a vos enfants qui ont subi. Ça dit que si on veut voir même, on peut dire un préjudice moral. Parce qu'ils ont vu que maman et papa étaient malheureux. Ça dit que les enfants ont été malheureux un peu. Moi, je n'accepte pas ça. J'accepte pas ça. Hein. On a fait souffrir des enfants. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous comprenez? Miri, comment tu vas? Ma petite soeur depuis le Sénégal. Vraiment, il y a quoi à vous? J'espère que ce monsieur. Monsieur le capitaine va être inquiété. C'est sûr qu'il va être inquiété. Ça vient faire un boom sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je veux que lui qui a fait du tort à monsieur Kone Ibrahim Diboga, on a cassé les 8 maisons de notre frère. On a cassé ses maisons. Vraiment, Ayako. Ayako, quand chez nous on dit Ayako, ça veut dire que votre Yako en Afrique, n'y a pas, vous souffrez là-bas. Amenia. Vous souffrez, oh. Une nourrice de 4 mois en plus, on n'a pas eu pitié du bébé. Elle dit que, elle a dit à la servante, viens prendre le bébé. Eh, là, n'y a pas, vraiment. La pitié de ça. Bon, tu es tombé sur mon direct, quelque chose, il faut t'abonner. Abonnez-vous, je suis l'impacteuse. La seule impacteuse canadienne, il n'y a pas d'eux. On a, ça dit que, monsieur, non. J'en reviens vraiment pas. Jusqu'on a vu les traces, tout et tout, sur le dos, ça fait pitié. Quand il y a des situations, partageons les directs. Tout et tout, pour que j'ai dit que ça fait peur quand on t'envoie sur les réseaux sociaux, hein. Hé hé, là là. Le roi qui te travaille me dit que, chérie, ton affaire des réseaux sociaux, là, c'est tout. On m'a reconnu, il y a un Québécois, mon collègue, qui m'a reconnu. Il dit, Jean-Luc, je t'ai vu le premier jour, le jour de l'an. Je t'ai vu le jour de l'an, tu mangeais, tout et tout, mais la face qui était baissée, là, je t'ai vu sur YouTube, c'est comme si c'était toi. Il dit, ma femme, faut faire attention à tes trucs, là. Allez. Tout et tout là. On me reconnaît là-bas. Moi, on me reconnaît. Fais attention. Moi, ça y est, on m'a reconnu. Québécois m'a reconnu au travail, mon collègue. Il a dit que, il y a une dame qui parle d'immigration. Elle parle de tata, elle s'appelle l'impacteur. Je l'aime bien, mais Jean-Luc, c'est comme si c'était toi. Vous savez, il était en train de manger son placali là. On l'a reconnu là-bas. Réseaux sociaux fait peur. Donc, c'est pour ça que quand il y a des problèmes là, nous, on vous dit partager. Ça fait quoi si tu partages? J'ai dit que allez sur la page de mon fils. Je vais lui rendre honneur. Désormais, vous savez que j'ai un super, club de super fans. Hein? C'est lui le président des super fans des impactés. Ne soyez pas avare. Mettez des cœurs, likez. Même si son visage ne vous plaît pas, dites seulement joyeux Noël. Joyeux anniversaire, happy birthday. Dites ça seulement. Hein? Vous savez que je peux piger parmi vous pour faire honneur sur ma page toujours. Hein? Moi, je fais honneur à mes impactés. Ah, on se permet de faire n'importe quoi. Hein. Vraiment, j'ai dit tout ce qu'il faut. Pourquoi on va allonger ça? J'ai dit ce qu'il faut. Partagez mon direct. Ce qui est arrivé là. Partagez mon direct. Partagez-le. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. C'est camaraderie des deux femmes au début qui a dégénéré. Et l'homme de loi est venu se donner le pouvoir. Il lui mange avec la première dame. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Laissez la femme là tranquille. Laissez-la. Ça fait combien d'années ils sont au pouvoir? On n'a pas entendu son nom dans quelque chose. Laissez-la. Hein, le roi. Le roi, on l'a reconnu là-bas. Hein, Whitey l'a reconnu. Lorian Bayro, Ayou, comment tu vas? Merci beaucoup pour vous qui m'avez envoyé toutes ces étoiles. Le consultant est à Abidjan. Il est actuellement au Niger. Il est toujours là-bas. Ouais. Donc, si vous voulez le rencontrer, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Ah, mon cher, camaraderie, actuellement là, les camaraderies, comment j'appelle ça? Les camaraderies de choses, comment on appelle ça? Comment on appelle le truc de essuie-glace? On va ici, camaraderie essuie-glace.
Ça, c'est ma petite Abigail qui m'a donné l'expression. Elle m'a dit, maman, camaraderie d'aujourd'hui, là, les amitiés essuient glace. Ouais. Quand ça va ici, ça, ça va là. Ça va là, ça va là. Pardonnez, faites attention. Donc, c'est camaraderie de deux femmes qui s'est gâtée. Et puis, les hommes, on s'est dit que le monsieur qui est un capitaine de l'armée, il s'est dit que comme eux, ils marchent de l'autre côté, on va venir exercer la violence sur nous, là. Tant que s'il y a la violence, là, nous, on ne donne plus raison. On donne plus raison. On a exercé la violence sur quelqu'un. On est venu baïonner quelqu'un. On est venu, on a vu le dos de la femme. On a vu son mari. Il ça fait pitié. Amenia, vraiment. Je vais m'arrêter là. Ah, Caroline Jean, il savait pas que c'était un footballeur. Voyez-vous. J'ai dit que c'est venu sur la toile parce que c'est un footballeur. Sinon, ceux qu'on frappe en Afrique là-bas, ceux qu'on paie de tout ce qu'on veut là-bas, c'est versé là-bas. On les frappe là et puis ça chauffe pas, t'es bandé. Hein? C'est ça. Mais ça, c'est venu sur la toile footballeur. Parce que quand moi-même j'ai écrit, j'ai mis footballeur pour vous attirer. Si j'avais dit qu'on a frappé un individu lambda, est-ce que vous allez venir comme vous êtes venu là? Ouais, vous n'allez pas venir. Donc, au début, je ne voulais pas me dire, ah, Monique, il faut laisser tes affaires là. Mes footballeurs, ils vont venir. Mes footballeurs, ils vont venir. J'ai mis footballeur, vous êtes venu. On avait fait mille.